La région de Kédougou s'étend sur 16 896 km². Selon les résultats provisoires du recensement général de la population de 2013, elle compte 152 134 habitants, soit une densité moyenne de 9 habitants au km². La structure démographique montre que les hommes représentent la majorité de la population, 53% contre 47% de femmes. Dans cette région, l'insécurité alimentaire et la malnutrition touchent encore plusieurs familles. Aujourd'hui, tant de familles vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, ce qui veut dire que un tel projet vient à son heure. C'est dans ce cadre que l'Union européenne, en consortium avec Oxfam et ses partenaires locaux, tels que l'ONG SADEV et l'association Nebedaï, ont pris l'initiative d'apporter leur secours aux populations à travers la mise en œuvre d'un projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Kédougou. On a beaucoup de relations avec l'Union européenne dans ces autres pays dans le monde, mais pour le Sénégal, pour Kédougou, c'est la première fois qu'on travaille ensemble avec le consortium qu'on a monté et l'Union européenne. Le coût global de ce projet est estimé à 498 000 euros et se fixe comme objectif principal de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 8 communes de la région de Kédougou. Ce projet va couvrir 2000 familles les plus vulnérables dans les communes de Medina Bafé, de Kéwoy, d'Akateli, Bandafassi, Bembou, Misira, Nenefisha et la commune de Kédougou. Durant 3 ans, de 2015 à 2017, Oxfam et ses partenaires vont travailler à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables de ces 8 communes en mettant fin à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Et à mon sens, c'est essentiel parce qu'on parle de la vie, on parle de populations qui et d'enfants qui ont vraiment des problèmes de nutrition. Gérer donc des questions de bonne alimentation, de nutrition convenable, c'est travailler à consolider le capital humain de notre nation. Travailler sur une bonne nutrition, c'est effectivement s'appuyer très largement sur les produits agricoles et forestiers. Et où on veut vraiment arrêter cette malnutrition. On ne veut plus voir d'enfants subir et mourir de cette malnutrition. Afin de minimiser les goulots d'étranglement, ce projet nécessitera une synergie entre les différents acteurs de la riposte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Et comme c'est un sujet assez compliqué, le développement n'est pas, il n'y a pas une réponse très directe, mais quand on travaille ensemble dans un consortium, on peut vraiment comprendre où sont les grands défis et surtout on ne peut pas faire des doublures parce qu'il y a plusieurs intervenants et on doit vraiment faire en sorte qu'on touche les plus pauvres et surtout les plus pauvres qui n'ont pas encore été touchés par d'autres organisations. Il faut dire que ce projet entre en droite ligne avec le plan de riposte national à l'insécurité alimentaire et avec le plan Sénégal émergent. Je voudrais, avec tous les participants, au nom du chef de l'État, mais également au nom des communautés bénéficiaires, constater l'importance de ce projet. Du fait qu'à plus d'un titre, il intègre, il faut le dire, les orientations stratégiques du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi les parties prenantes ont décidé de mettre en œuvre toutes les stratégies qui sont à leur portée pour sa réussite. Pour Oxfam, on est là en tant qu'intervenant, surtout pour mettre les différents acteurs ensemble et d'avoir les données des autorités locales et de nos partenaires SADEF et Nebedaï, parce qu'on pense que le changement se fait naturellement ici, mais se fait aussi au niveau national, au niveau régional et au niveau global. L'administration locale apprécie à sa juste valeur cette initiative, non sans saluer les partenaires financiers, notamment Oxfam et l'Union européenne. Je voudrais remercier Oxfam et ses partenaires maîtres d'œuvre donc du projet, un projet dont nous saluons
les orientations, l'approche, puisque c'est un projet, il faut le dire, qui va nous aider à relever le défi de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'ONG SADEV a pris des engagements fermes pour s'acquitter convenablement des tâches qui lui sont confiées. L'ONG SADEV s'engage solennellement à exécuter avec professionnalisme les activités qui lui sont assignées et qu'au terme des 3 ans, que l'accès des populations cibles à une alimentation nutritive soit assuré, qu'un changement qualitatif en matière d'hygiène, assainissement et à l'accès à l'eau potable soit effectif. La production agricole chez les petits exploitants pauvres soit améliorée et diversifiée, accrue d'au moins 25%. Et surtout, que les activités agro-pastorales soient protégées des inondations. Cet engagement manifeste et cette volonté de l'ONG SADEV ont été salués par l'administration locale, représentée par Ahmed Tidiane Thiaw, l'adjoint au gouverneur chargé de développement. Je voudrais par ailleurs prendre acte vraiment des engagements exprimés par SADEV et Nebedaï, entre autres aider les populations à faire une bonne agriculture en s'appuyant sur de nouvelles méthodes, allouer aux populations un cash transfert, promouvoir aussi l'hygiène publique par la distribution de kits d'hygiène, aménager des périmètres agricoles et développer des espèces à forte valeur nutritive. Pour réussir ce pari de riposte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, chacune des structures d'exécution sait sur quel levier appuyer pour atteindre les objectifs fixés. Pour nous, notre petite association Nebedaï, on a mis aussi une importance à l'arbre. Et cet arbre-là, ce moringa, il a des vertus en termes de minéraux, en termes de vitamines, qui peut en tout cas aider un peu, donner un complément alimentaire. Le soutien de l'administration et des élus locaux restera indispensable durant tout le processus. C'est pourquoi un accent particulier sera mis sur les cadres de concertation existants à la base. Je pense que le partenariat qu'on a monté ici avec SADEF et Nebedaï n'est pas un partenariat complet si on travaille aussi pas avec les autorités locales. Ce programme ne peut réussir sans l'appui des autorités administratives, politiques et coutumières. C'est dans ce sens que j'interpelle ces derniers à s'approprier le projet et accompagner les ONG qui doivent l'exécuter. C'est énormément important que c'est un travail qui se fasse en liaison avec le plan de développement local, une bonne interaction avec les autorités locales, avec les élus, avec les services déconcentrés, pour vraiment voir où est-ce qu'on peut intervenir et où est-ce qu'on a le plus d'impact. À Kédougou, le soutien de l'administration sera indéfectible durant toute la durée de ce projet de renforcement. L'adjoint au gouverneur chargé de développement en a donné l'assurance. En cela, vous pouvez véritablement compter sur tout l'appui et le soutien de l'administration de Kédougou à ces différents échelons. C'est pourquoi les différentes parties prenantes gardent l'espoir d'atteindre les objectifs fixés au départ afin que les actions contribuent au programme national d'investissement de l'État. Je pense qu'on a monté vraiment un très bon projet avec différents éléments qui peuvent vraiment faire l'impact et aider les populations les plus vulnérables. Alors, il me reste en effet de ne pas souhaiter du succès à tout le monde, mais de nous-mêmes souhaiter un succès, que nous-mêmes on peut vraiment aboutir avec un projet qui va durer 3 ans avec des bons résultats. Le lancement de ce projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Kédougou s'est déroulé le samedi 9 mai 2015 à la salle de l'annexe de l'auberge Thomas Sankara de Kédougou en présence d'une diversité d'acteurs et de partenaires. Oh, yeah.